Aujourd'hui les mecs, je vais vous donner des nouvelles astuces de pro. Que ce soit Cristiano Ronaldo ou Benzema, ils ont tous cliqué sur le bouton s'abonner. Tu pourras vérifier, hein. C'est comme ça qu'ils sont devenus de vrais pros. Ouais, ça doit être ça. Bon allez, nous sur ce, c'est pas. On commence avec le tout premier qui va vous permettre d'être invisible. Et tout ce dont vous aurez besoin, c'est la race V4 humain. Bon nous les mecs, on va devoir se rendre dans le shop. Et bien évidemment, cela changer cette race. Heureusement que ça nous coûte que 90 Robux. Ah mais oui, hein, là les gars, pour nous, c'est le pauvre centime. Hein. Bon, étant donné la malchance que j'ai, si s'il vous plaît, peut-être du premier coup. Du premier coup. Oh là là là, incroyable. Ensuite, vous allez devoir vous équiper du fric du light. Bon, moi, les gars, on l'a en permanent, donc on n'aura pas besoin de se le grailler. Et ça, franchement, ça régalouse. Une fois que vous avez la RSV4, logiquement, les mecs, on va se transformer. Oh là là, regardez comment on est stylé. Et une fois que c'est fait, les gars, c'est super simple. Vous allez vous téléporter sous le sol, réutiliser le vol brillant et vous re-téléporter sous le sol. Et regardez ça, on est invisible. Incroyable, bon rush. Faites pas genre que c'est compliqué, les gars. Même un cours d'art plastique, c'est aussi simple. Et attention, ça va être maintenant le verdict. Et oui, si, s'il vous plaît. Oui, on est invisible, c'est incroyable. Vous savez quoi les mecs, on va carrément lui sortir un fruit. Regardez ça, il est devant moi, on lui sort le fruit du kitsune. Oh là là là. Ok, si on laisse le fruit ici, est-ce que lui il va capter? Oh non mais lui hein, il veut pas me lâcher hein. Il veut absolument le fruit hein. Exactement, ouais. Bon, le rêve c'est la lui. Oh là là là, il essaie de le récupérer lui aussi. Il tente en plus de m'attaquer. Oh là là là, le pauvre noobard. Sauf que les mecs, je suis invincible. Bah oui, logiquement les gars, quand on est invisible, ils peuvent pas me toucher. Est-ce que t'as déjà essayé de toucher un fantôme? Bah oui, c'est clairement impossible hein. Alors les mecs, vous pouvez tenter tout ce que vous pouvez, vous ne réussirez jamais. Allez, on passe au prochain, c'est Tipa. Maintenant pour celui-ci, je vais vous montrer comment faire de super sauts. Et arrêtez de faire ces vieux sauts de Gaulmont là, frère. T'es ça dans ce que tu dis, toi? Ok, bon, dans un premier temps, vous allez dans vos paramètres et vous allez vous modifier le mode de déplacement. Normalement, il y en a un qui s'appelle cliquer pour déplacer. Ouais, il est exactement là. Ok, une fois que c'est fait, les mecs, il n'y a plus rien à faire. Enfin, si, il y a à faire. Mais t'as capté, on a fait le plus dur. Donc, qu'est-ce que je raconte là, les gars? C'était le plus simple. T'es con, quoi. Enfin, bref, bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter, cliquer, dash. Oh là là, regardez-moi ça comme c'est incroyable. Bon, les gars, je vous dis, l'objectif maintenant c'est de dépasser cette arme. Mais bon, je vais réussir. On saute, on clique et on dash. Wesh, et il se passe quoi, frère? Pourquoi je fais la statue? Ouais, mais j'ai capté, les gars. On a franchi les murs du son ultra rapidement. Oh ta gueule. Normalement, si je me mets là, ça devrait être bon. Allez, c'est parti. On saute, on clique et on dash. Oh là là là, regardez-moi cette hauteur de fou. J'ai carrément dépassé tous les bâtiments. C'est incroyable. Bon, maintenant, si tu veux faire bégayer le mec en face, quoi, tu sais ce qu'il reste à faire. Hein. Alors bon, je doute que lui pourra te suivre en faisant ce glitch. Hein. Mais bon, bien évidemment, je parlais pas au runner. Hein. Vous, déjà qu'on vous déteste, n'utilisez pas ça si vous plaisez. Rien à foutre. Bon allez, on passe au prochain, c'est Tipa. Il existerait un souterrain hyper caché. Dans un premier temps, on va aller se rendre sur le cyborg. Ouais, t'as capté, c'est ce boss tout chum. Oh, décidément, il n'y a pas que lui qui est chum, il y a aussi sa baraque. Il est sérieux. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre contre ce muret là, bloquer votre caméra et vous allez vous téléporter derrière. Guettez-moi l'endroit sur lequel on a accès. Et attendez, ce qui voudrait dire qu'on pourrait farmer tranquillement. On va essayer de l'attaquer. Et oui, on peut. Oh là là, c'est incroyable. On active la transfo. Mes frères, je suis énorme. Si genre je me mets en dessous de lui, on peut toucher carrément la plupart des mobs. Et voilà les mecs, fini la galère. Vous allez pouvoir farmer ici. Bon, même si avec Bouddha de base, on a une distance énorme. Ouais, bon, là les mecs, hein, vous serez sûr à 100% qu'ils vont jamais vous toucher. Parce que bon, les gars, vous êtes jamais sûr de la mort. Bah oui, c'est un peu logique, quoi, il vous prévient pas. Alors ici, les mecs, on est prévoyants. Bon, allez, on passe au prochain, c'est Tipa. Maintenant, pour cette astuce, vous devez savoir que la hitbox sur Bloxfruit est complètement cheatée. Je m'explique. Là, vous voyez, j'ai un personnage tout à fait normal. Pas si normal que ça, quoi. Parce que je suis beau gosse, j'ai des giga pectoraux, frère, et je gère toutes les meufs. Tu mens. En fait, c'est être un giga chat, quoi. Tu mens, frère. Et là, juré à ma droite, un mec qui a une hitbox totalement petite. Vous remarquerez aussi qu'il est largement plus fin et plus petit. Alors bon, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Go devenir skinny. Bon allez, nous passons au prochain, c'est Tipa. Bon maintenant pour celui-ci, il y aurait apparemment un glitch secret pour faire tourner son fruit. Ou en gros pour faire la toupie blablade avec. Comment ça mon ref? Bon, du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans le menu nos items et on va aller chercher le pôle V1. Normalement je l'ai bien évidemment. Hein. Après il faut m'expliquer pourquoi c'est un balai à chiottes. Non mais guettez-moi ça, tonton sapologue. Même la sapologerie est choc-bar. Ouais, est-ce que je peux storage le fruit au moins? Mais je peux même pas frère. Vous savez quoi les gars, nous on fait zéro gaspillage ici. Team zéro gaspille, on va clairement le graille. Le concept maintenant les gars, c'est la graillance. Bon, même si je serai jamais invité quoi. Ok, bon c'est parti pour appuyer sur les deux en même temps. Est-ce que je vais réussir? Eh oui, c'est incroyable, du premier coup frère. Et genre maintenant, je peux mettre ma soul guitar dans les mains, mais c'est incroyable. Ah mais je vous dis là, même Jimi Hendrix ne fait pas ça. Hein. Le mensonge, la manipulation, c'est ton arme favorite. Là les gars, c'est tout dans le mouvement. Je peux même faire ça avec la Dark Blade. Oh là là là, c'est incroyable. Et genre, est-ce que je peux faire une Dark Blade géante? Ah mais si j'y arrive, hein, c'est incroyable. Hein. Bon bah allez, on désactive la transfo en même temps, on active l'épée et j'ai réussi. Oh là 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 là. Ah mais les gars, avec cette sword, je vais balayer tous les lobbies. Et bon, sans faire de jeu de mots quoi. Et logiquement, dans la logique des choses, je peux équiper Kitsune peut-être. Et oui. Oh là là, oh là là là.
c'est incroyable, guettez ça frère. Je suis en train de faire du hand spinner avec mon flux du kitsune. Bon allez, on passe au prochain, c'est Tipa. Bon là les mecs, je vais vous montrer une technique pour devenir millionnaire. Billionnaire, milliardaire. Frère, même Jeff Bezos va être chocbar. Si tu le connais pas quoi, c'est un crâne neuf qui est milliardaire. Je vais le démarrer ce temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans le shop et qu'on va s'équiper le fric du light. Parce que oui les gars, c'est obligatoire, vous en aurez besoin. Et une fois que c'est fait, on va aller se rendre tout en haut frère. On va aller rejoindre les étoiles. Je sais même pas si on peut les atteindre. Mais bon, dans la vie, il faut toujours viser haut. Et regardez ce qu'il y a, il y a de l'argent. On va récupérer le premier coffre qui nous donne 9 500 $. Le deuxième, 9 000 $. Et celui-ci nous donne 9 000. On vient de se faire 30 000 $ sans rien faire. Et attention, si vous n'êtes pas Gaulmont, vous allez changer de serveur. Et cette technique vous permettra de faire respawn les coffres. Ouais, bah, si j'arrive à trouver un serveur, s'il vous plaît. Et les mecs, regardez ça, je suis arrivé et il y a encore les coffres. Bon, bah, go se mettre bien, frère. Moi, je mets tout ça dans mes poches. Hein. Ah, mais les gars, le farm, c'est pour les pions. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de. Mettez-vous à récupérer des coffres, c'est largement plus rentable. Bon, allez, on passe au prochain, c'est Tipa. Maintenant, les mecs, je vais vous donner la technique ultime pour avoir un flux mythique. Non, mais les gars, tout ce qui est de brachésiol, tout ça, là, de lui cracher dessus, lui faire peur. Tu peux même essayer de lui péter dessus, quoi, ça marchera pas. Les gars, la véritable technique, c'est d'écrire sub to Maliko. Et là, je peux vous dire que vous allez vous choper Los Pepitos. Allez, 3, 2, 1. C'est Tipa, on achète. Et on a eu le fruit noir. Oh là là, c'est incroyable. Et il y a un bug, c'est une pastèque, frère. Tu sais quoi, hein, mon gars, il y a un fruit pourri pour un flot pourri. Hein. Allez, tiens, c'est pour toi, frérot. C'est gratuit. T'inquiète pas, c'est la gratuité. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Et en plus de ça, il a store. Oh là là, c'est incroyable. Il est content, frère. On dit merci. Ah, mais sachez, hein, que les mecs comme ça, je vous kiffe. Quoi? Ouais, dans le sens où vous êtes poli, quoi. Bon, allez, on passe au prochain, c'est Tipa. Bon, les mecs, aujourd'hui, je vais vous enlever une épine du pied. Parce que, bon, les gars, on est en 2024. Faut arrêter de marcher sur des échardes. Ouais, même si Cédric Doumbé l'a fait dernièrement, quoi. Vous allez pouvoir avoir la full moon à chaque fois et l'île Kitsune. Dans un premier temps, vous allez vous rendre sur l'île Ticket Post. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez dans votre menu et vous allez équiper le fruit du phénix. C'est super important. Et maintenant, les gars, ce que vous allez faire, c'est la dernière étape d'enlever tous vos graphismes dans les paramètres. Les mobiles, les gars, vous aurez pas besoin de le faire. Hein. Ah, mais c'est la vérité, les mecs, vous avez pas un ordinateur, quoi. Donc, bon, frère, les graphismes ils sont déjà éclatés. Ouais, bien, tu commences pas à me chanter par callback. Ouais, si je rigole, les gars. On est en bleu sans les joueurs mobiles. Et guettez ça, les gars. Une fois qu'on a pris un max de hauteur, on voit déjà la lune en dessous. Parce qu'on peut remarquer, c'est que la lune elle est à sa moitié. Mais bon, si à côté vous vous mettez un schéma des plans de la lune, mais maintenant vous pourrez savoir exactement quand elle va arriver. Bon, allez, on passe à la prochaine astuce. C'est Tipa. Et maintenant, pour cette astuce, je vais vous donner le meilleur endroit pour spin un fruit. Parce que les mecs, vous savez que sur le jeu il y a 3 si. Ouais, bah après tout, ça c'est évident. Hein. Et sauf que parmi les 3, il y en a forcément un où il y a plus de chance d'avoir un fruit que l'autre. Bon, avoir un fruit, c'est sûr. Mais d'avoir un fruit mythique, là les gars, ça me parle. Bon bah c'est parti, on commence dans le sien. Parce que bon, forcément, si je dois avoir un fruit claqué, je préfère l'avoir en premier. Allez, c'est y part. On spin, les gars, on spin sans code. C'est une première. Parce que bon, quand tu fais une soupe, tu la goûtes avant de mettre du sel. Ouais, bon, ça avait pas de rapport là, j'ai tout épine. Mais bon, allez, 3, 2, 1, c'est parti, j'achète. C'est le fruit du hachier. Mais les gars, je dis les termes, je dis los termos. Je vais pas parler chinois quoi. Le fruit, il pue la mort. Est-ce qu'au moins je peux storage, frère? Je peux même pas. Vous savez quoi, les gars, je vais le mettre dans l'eau. Hein. Oh non, mais il est hors de question de donner ça un bug. On va dans le 6-2, c'est Tipa. Et guettez-moi le renoi sucré salé, frère. Bon, là, il manque un petit détail, les gars, c'est qu'il faut que je fasse un buzz cut. Mais bon, les gars, je vais pas claquer mes thunes chez un coiffeur. Hein. Et surtout pour avoir un buzz cut au final, quoi. On a 182 000 dolls, 180 000 pépettes. Et même, les mecs, ça becte sa vie. Mais dans quelques secondes, on va devenir pauvre. Attention, les gars, je m'en fous. L'argent, ça part, ça revient. J'achète et c'est le fruit de la pique. Ouais, t'as trop la rage. Mais les gars, c'est pas possible. Ça, c'est un oursin des mers. Je sais pas si lui va dans la mer, les gars, je m'en fous. Hein. Est-ce qu'au moins, je peux storage le fruit de la pique, je peux pas. Oh les bestes, ça m'étonnerait le bug, mais bon tiens, je te le passe. Ils sont prêts à tout pour avoir le fruit de la pique. Mais c'est quoi ces ch'tarbés? Bon allez, nous passons au C3, c'est Tipa. Bon bah les mecs, c'est parti pour spin dans le C3. Attention, let's go, 407 000 $. Et je dois attendre une heure. Mais frère, même quand je suis aux toilettes, je suis plus rapide. Comment ça, mon ref? Oh là, il y aurait pas un petit bug par exemple pour spin? T'es le vrai. Non, mais quand tu vois Benzema, quand tu vois Brulux, est-ce que tu lui demandes si c'est le vrai? Ouais, ben non, à part si t'es un œil. Hein. Bon, les mecs, on va leur dire qui peut spin un fruit pour test le gacha du C3 et sans code. Oh, ben y a un mec, il nous a dit moi. Mais vas-y, viens. Guettez-moi le frère. Il a le kitsune. Oh là là là. Le type, il est là cette année, il vit. Attention, qu'est-ce qu'il va nous spin? Oh, c'est quoi comme fruit? C'est le fruit. Le fruit, frère, il gandzou, il pue la mort. Mais frère, je suis sûr que même au casino, j'aurai plus de chance. Et si tu veux plus d'astuces sur les pros, clique sur cette vidéo, n'oublie pas de la liker. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Maliko. Ciao, ciao.